lovers, strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. Allez, bonjour tout le monde, c'est Bromman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Aujourd'hui nous sommes sur la carrière No Cheat et nous sommes toujours avec notre Simu 810 Gender, un vieux Simu 810 avec un pulvérisateur Amazon qui était de base dans la ferme. Et donc je l'ai rempli et nous allons tout simplement pulvériser notre petit champ que nous avons fait là, comme ça pour avoir un peu plus de rendement. Et si on a fini après, bon, on ira vendre tout simplement. On vendra gentiment certains matériels qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Donc ce sera plutôt sympa. Donc on va déjà faire ça. Hop. On va fermer la porte. Hop. On va se mettre en vue externe parce que. Voilà. Hein. On va déplier tout ce bordel. Tout ce bordel. Hop. Et donc, tac 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 tac, hop, on va faire let's go, on la baisse à fond et on est parti. On va pulvériser simplement ce petit champ, notre petit champ, tranquillou plutôt. Et donc c'est plutôt sympathique, hein, donc toujours avec notre petit JDD famille qui fait plaisir, hein, qui fait quand même vachement plaisir. J'avais pas envie de faire une mission pour le moment. Pourquoi? Parce que bah, les missions, bah, je les ai déjà faites avant de partir en vacances. Mais c'était les missions qu'on avait faites en vidéo. Et c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que bah, ça a pas poussé encore. Donc, on est un peu en mode perturbé. Mais voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, ça va être vite fait. Hein. Je pense que là, ça va être vite fait. Je pense en un aller-retour presque on a fini, donc ça va être vraiment vraiment vite fait. Une petite vidéo à mon avis d'une dizaine de minutes je pense, même pas, on verra si on a des trucs, d'autres choses à faire ou pas, sachant que j'ai trouvé des autres missions mais j'ai pas envie de faire des missions aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Donc voilà, tout simplement. Donc après, bah, on attendra, à mon avis, je vais passer le temps, je pense, vu que j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Je pense que je vais passer le temps jusqu'à ce que ce soit un minimum, poussé. Une fois que ce sera un minimum poussé, je verrai si j'ai pas un épandeur en graisse solide pour pulvériser un petit peu d'engrais solide, voilà, pour tout simplement avoir un meilleur rendement. Je vais voir ce que ça va donner. Et du coup, bah, voilà, hein, tout simplement. Ça, hop. Ensuite on va replier ce bordel du coup et on a déjà fini. Hop. Hop, et du coup on met les petits gyros et on est reparti, on va aller reposer ça tranquillement. Et donc voilà, dans cette vidéo je vais vous dire vite fait, donc comme je vous ai prévenu, il va y avoir une série 100% de gender, 100% vue interne. Donc ça va être sympa, ce sera pas du no cheat, ici c'est no cheat, mais regardez, quand on regarde c'est pas 100% de John Deere. Pourquoi? Parce que il y a quand même en mode, j'ai mis des Deutz, des classes, des Fendt, un Fiat Agri, des Massé, des... Oh il est joli le T8 là, en mode chelou, un Steyr bizarre, des 6R Black Edition. Bon, j'ai un paquet de JD quand même, mais c'est pas du 100% no cheat. Du 100% John Deere, c'est un petit peu multi-marque, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Lui, on va le remettre à sa place où il était, de base. Hop, on va aller le remettre là. Tac, tac, tac. Tranquillement, hop, on abaisse ça.
Hop là, tac. On va faire W, on va faire A, et voilà. Vous avez pu le voir, suspension, enfin pression des pneus, très très bien réalisé. Mais oui, c'est clair. Prochaine fois, qu'est-ce qu'il faudra? Je vais déjà le mettre près de la remorque, parce qu'à mon avis, on fera de la remorque. Je pense pas, parce que j'ai pas de pulvérisateur solide. Je pense on va regarder ça directement dans notre petit truc après. En tous les cas, là, je vais le laisser là. Hop. Garage. Est-ce que j'ai un pulvérisateur? Ouais, j'ai un pulvérisateur en graisse solide. Il faut juste que je le trouve. C'est celle qui est là. Je l'ai mise là tout à l'heure. Ah, il est là. Si, mais j'avais repris. Je sais plus pourquoi. J'avais repris ici. Hop, petit angle, petit épandeur. Du coup. Caverne land. Ouais. Du coup, peut-être qu'on mettra de l'engrais. Je sais pas. Donc là, on a deux tracteurs. On va garder un petit NRP. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre pour le moment. Non, en fait je sais pas quoi vendre. Si je peux vendre le en fait je sais pas si je peux vendre, je pense que je vais vendre le télesco, j'en ai pas besoin. Au pire on louera le télescopique s'il faut, parce que là j'ai vraiment pas besoin du télesco. Ouais. On a deux cultis. Il va falloir m'expliquer l'utilité d'avoir deux cultivateurs. Hein. On va garder que celui-là. Ouais. Donc celui-là, on va le vendre. Hop. Chariot, on garde pour l'instant. Ça, on va garder. L'auto-chargeuse, on va la garder parce que je pense qu'on fera de l'auto-chargement pour commencer. Par contre, toi, du coup, tu vas nous rapporter un petit peu d'argent. Du coup, là, on a 100 000. On a plus de 100 000 euros, donc c'est déjà plutôt pas mal, hein. On a plus de 100 000 euros, donc on va pouvoir tout simplement passer le temps. Je vais passer le temps un peu, mais attendez, d'abord j'ai vu qu'on avait un champ là au-dessus. Il y a quoi dans ce champ? Ah d'accord, c'est un pré. Non, c'est un champ, c'est celui-là. Fichtre de ma gueule. Ah ben non. Ah non. Ça c'est bien pour pulvériser. Oh, on pourrait faire de l'épandage d'engrais liquide de lisier la prochaine fois, tiens. Wesh. Ça c'est le 37 du coup. Champ 37. C'est ça. Champ numéro 37. Ouais, c'est ça, ok. Bon, bah, on fera ça peut-être dans la prochaine vidéo, du coup. Hop. Donc, on a vendu ça. J'ai un champ d'herbe ici. Donc, ça, c'est sympa. Donc, j'ai un champ d'herbe. Donc, on pourra venir faucher. Et là, l'herbe, elle est pas prête. Pourquoi? Parce que quand on shift CTRL S. Merde, c'est quoi? Left, Alt, S. Voilà, on peut déjà récolter de l'herbe à partir de la semaine prochaine, de demain apparemment. Il va falloir attendre l'été pour récolter notre blé qu'on a planté. Donc on verra. Donc là, je vais passer le temps un peu. On va passer début été. Je pense qu'on va faire début de l'été. Donc il y a 9 jours, je pense que j'ai fait 9 jours ou alors j'ai fait 6 jours, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Ouais, il y a 9 jours du coup, donc on va passer les 9 jours. Et on verra un petit peu ce que ça va donner donc. Fin du printemps. Donc on avait 126 000, donc c'est plutôt clean. Hein. Hop, fin du printemps, et donc on arrive au début de l'été. Donc le jour du début de l'été, je vais arrêter de passer. L'été, le soleil est haut, la récolte prend du profit. Voilà, hop. Donc l'herbe, elle n'a absolument pas poussé. Hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Par contre, peut-être que notre
Par contre, pourquoi est-ce que c'était en PLS? Je ne sais pas, mais c'était en PLS. Pourquoi c'est en PLS? Ah non. Et du coup, ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Donc, on verra un petit peu ce que ça donnera. On verra. On ira faucher la prochaine fois ou on ira faire autre chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de 8-10 minutes vous aura plu. Voilà, je fais des petites vidéos du roleplay, du no cheat. Parce que tout simplement, j'ai pas trop le temps de la tourner. Et de plus, je sais pas trop quoi faire. Donc pour la prochaine vidéo, à mon avis, comme j'ai dit, on fera une petite mission. Et puis on verra pour aller amener tout ce qu'il y a de faucheuse. Tout ce qu'il y a de faucheux. Donc voilà. Moi je vous dis, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Borom. À plus tout le monde. Plus.